Bonjour mes apprenants, comment allez-vous J'espère que vous êtes en bonne santé. Après avoir visionné les vidéos de la leçon La nutrition des animaux, maintenant on va travailler les exercices de la page 109. Partie A. En se référant à tes connaissances acquises. Que veut dire en se référant à tes connaissances acquises Définir le régime alimentaire. عرف الريجيم اليمنتير عرف النظام الغذائي سيكوا سي لانسامبل دي زالي مونج ابتيولمون ان يعني هو مجموعه الغذائيه اللي بياكلو بالعاده يعني دائما بياكلو حيوان معين بارتي بي اون ريبريزانتي سيس دو لي زالي كونسومي زانيمو سيس زانيمو Et ce sont les aliments consommés par trois animaux. Menu du chevreuil. Que mange le chevreuil Le chevreuil mange des feuilles, mange des ronces, mange des fruits, mange des graines. Mange. La tourterelle. La tourterelle mange des insectes, des grains, des bourgeons, des fruits, des vers de terre et des mollusques. Que mange la buse? La buse mange des campagnols, des mulots, des musaraignes. Identifie le régime alimentaire de chacun des animaux ci-dessus. Alors. Quel est, le, quel est le régime alimentaire de ces animaux? Identifie le régime alimentaire de chacun des animaux ci-dessus. Quel est le régime alimentaire du chevreuil? C'est un végétarien. Pourquoi il est végétarien? Car il mange des aliments d'origine végétale. Regardez, il mange des feuilles d'origine végétale, des ronces, des fruits, des grains. Yani, C'est un végétarien. Quel est le régime alimentaire de la tourterelle? C'est un omnivore, car il mange des animaux d'origine animale et végétale. D'origine végétale comme les bourgeons. D'origine animale comme les vers de terre et les mollusques. Quel est le régime alimentaire de la buse? Le régime alimentaire de la buse, c'est un carnivore, car il mange des aliments d'origine animale. C'est un carnivore. Passons maintenant à l'exercice 4 de la page 111. Le document. ci si dessous représente la dent d'un animal. autre partie A. Annôte le document. document. Qu'est-ce que c'est ce sont les incisives. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les canines. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les molaires. J'écris les incisives, les canines et les molaires. Partie B. Précise si cette denture correspond à un carnivore ou à un végétarien. Cette denture correspond à un carnivore. Pourquoi? Car elle est complète. La denture est complète. Et les molaires sont tranchantes. Nous الكارنيفور que le carnivore a une denture complète. Regardez. Les dentures sont complètes. Il y a des incisives, il y a des canines, il y a des molaires. La denture est complète. Donc c'est un carnivore. Regardez. Et les molaires sont tranchantes encore. Donc c'est un carnivore. Cette denture correspond à un carnivore car elle est complète et les molaires sont tranchantes. Maintenant mes apprenants, vous avez un devoir. Le numéro 5 aux pages 112 et 113.